Bonjour les amis, bienvenue à votre programme Dialogue divin. Bonjour, bonjour à tous. Et moi-même, je vous salue, Alexandra Lopez. On va continuer avec notre programme sur ces vérités que nous avons analysées. Et allons-y, on va voir jusqu'où on va avancer aujourd'hui. Volume 31, 18 janvier 1933. Ce chapitre est très intéressant et très important à la fois. Faisons bien attention. Et j'aimerais bien, si c'est possible, vos commentaires un petit peu sur ce dont nous allons parler. Ayant reçu la Sainte Communion, je faisais mon action de grâce habituelle lorsque je vis Jésus, mon bien immense, affligé et taciturne, comme s'il avait besoin de compagnie. Je m'approchais de lui et tentais de le consoler en me montrant toujours uni à lui afin de ne jamais le laisser seul. Et Jésus sembla très heureux et pour épancher sa peine, il me dit « Ma fille, sois-moi fidèle et ne me quitte pas, car la souffrance de la solitude est toujours la plus oppressante, parce que la compagnie est le soutien et le secours de celui qui souffre. Sans une compagnie, la souffrance est dure à cause de l'absence de celle qui pourrait soulager sa peine ou même lui offrir un amer remède. » Ma fille, combien d'âmes me reçoivent sacramentellement dans leur cœur et me laissent seule. Je suis en elles comme dans un désert, comme si je ne leur appartenais pas. Elles me traitent en étranger. On reçoit Jésus dans le très saint sacrement. Qu'est-ce qu'on reçoit? Jésus, oui, d'accord. Sa vie, on reçoit le Verbe éternel incarné. Quoi d'autre? Où est le Verbe éternel et le Père et aussi l'Esprit Saint? Où est le Père, le Fils et l'Esprit Saint, Jésus, ou son humanité qui est là aussi? La Vierge Marie, Louisa, qui d'autre? Toutes les âmes qui vivent dans la divine volonté. Tout le ciel est là, d'accord? Bon. La question est, on va se baser sur la Trinité et sur la Vierge Marie. Si venait la Sainte Trinité frapper à notre porte chez nous, qu'est-ce qu'on ferait? On préparerait tout pour les accueillir. Il y a deux manières de recevoir la Trinité. On va prendre l'exemple de Jésus à Béthanie chez Lazare, avec les deux sœurs Marie et Marthe. Marthe, toujours préoccupée dans les choses humaines. Marie, assise aux pieds de Jésus, l'écoute. Qu'est-ce qu'il lui dit à Marthe, Jésus, quand elle se plaint? Marthe, Marthe, tu te préoccupes pour beaucoup de choses. Marie a choisi la meilleure part et elle ne le sera pas enlevée. Qu'est-ce que fait, que faisons-nous, une grande partie des gens? Qu'est-ce que nous faisons après avoir communié? Nous faisons ce que fait Marthe, et ça encore dans le meilleur des cas. Parce que bien souvent, plus encore, combien de temps dure la présence réelle de Jésus? Quand on l'a reçu, 10, 15 minutes jusqu'à ce que se dissolvent les espèces. Une fois que les espèces sont dissolues, il s'en va et nous laisse juste l'effet, la grâce, l'effet de la vie divine en nous. Bon, nous savons que nous avons peu de temps, donc pourquoi? Pourquoi il s'en va, Jésus? Parce qu'il n'y a pas sa volonté, exactement. Si nous avions sa volonté en nous, il resterait totalement, d'une manière permanente, tout le temps qu'il soit nécessaire, tout le temps que nous aurions et que nous garderions cette volonté en nous. Donc, souvent, on a communié et qu'est-ce qu'on fait? On se met à chanter.
Imaginez ce que c'est de se mettre à chanter. C'est ce que fait Marthe. Hein? Et Jésus, merci, merci, écoute-moi chanter, Jésus. Hein? Ce n'est pas une critique, c'est une triste réalité, mais c'est ça. Je me mets à chanter. Et ça dépend aussi du moment quand je reçois la communion, parce que quelquefois, je peux avoir le temps de chanter une ou deux chansons, etc. Si je fais partie des derniers, bon, pratiquement, je n'ai pas le temps de chanter beaucoup parce que la messe va continuer, le prêtre va continuer, il n'y a pas de moment de recueillement, il n'y a pas de moment précis où on peut avoir un échange avec Jésus, un partage avec Jésus, aucun échange. Parce qu'en plus, bien souvent, on en profite pour demander des choses, je te demande ça, donne-moi du travail, je te prie pour un tel et pour un tel. Je te prie pour pouvoir gagner à la loterie, etc., etc. Donc, quand est-ce que nous laissons Jésus parler? Nous avons laissé parler Jésus une fois ou l'autre. On va se concentrer là-dessus. Qu'est-ce que nous faisons? Nous le laissons seul. Et qu'est-ce qu'il vient de nous dire sur cette solitude? Il se sent en nous comme dans un désert. Oui. Me tratan como extraño. Sí. Vous me traitez comme un étranger. Il dit, la solitude est toujours la plus oppressante parce que la compagnie est le soutien, l'aliment et le secours de celui qui souffre. Par contre, sans une compagnie, la souffrance est dure à cause de l'absence de celle qui pourrait soulager sa peine ou même lui offrir un amer remède. Et ensuite, il se plaint. Il dit, « Ma fille, combien d'âmes me reçoivent sacramentellement dans leur cœur et me laissent seule? Je suis en elles comme dans un désert, comme si je ne leur appartenais pas. Elles me traitent en étranger. » Je crois que cela doit nous faire réfléchir. Et j'espère que cela va nous faire réfléchir pour que nous prenions l'habitude avec cette sensibilité qui fait que nous ne voulions plus laisser Jésus seul, nous immerger en lui, après chaque communion, l'aimer, le réparer, lui donner la gloire, lui donner la louange qu'il mérite, nous unir à lui. Quand il s'est fait cette première communion, quand il s'est communié, nous unir à elle pour réparer, pour toutes les âmes qui le reçoivent mal, pour les sacrilèges, pour tout ce qui peut se passer, ou ces âmes seulement distraites, qui ne le reçoivent pas avec amour. Et donc, c'est une offense. Hein? Ce que nous devons faire, c'est le recevoir par amour et pas par habitude. Beaucoup, beaucoup reçoivent Jésus par habitude. C'est une habitude, c'est une tradition. Donc, je disais que cette lecture, cet enseignement va être très, très important parce que c'est ce que nous faisons normalement quand nous recevons Jésus. Et Jésus nous demande de nous unir à ce moment quand lui s'est communié le jeudi saint pour pouvoir lui donner la même chose qu'il s'est donnée à lui-même et réparer ainsi pour toute la famille humaine. Il nous demande de nous unir à son humanité, à sa volonté et à sa divinité, pour pouvoir lui donner la même chose que lui donnait son humanité, c'est-à-dire son âme, dans la divine volonté. Faire la même chose que faisait la divine volonté en lui et faire la même chose que la divinité, hein, qui, ce qu'elle faisait avec tout ce que lui donnait la volonté humaine et divine et correspondre avec toutes les grâces. Dans l'Évangile, il y a un passage où Jésus nous dit que demander n'a pas de sens, ce n'est pas tellement important parce que le Père qui est au ciel sait, connaît nos difficultés, nos manques, etc.
Pourquoi demander, demander? Pourquoi demander surtout ce qui n'est pas accordé à la volonté de Dieu? On va continuer. Mais sais-tu pourquoi elles ne prennent pas part à ma vie, à mes vertus, à ma sainteté, à mes joies et à mes souffrances? Parce que tenir compagnie à quelqu'un signifie participer à tout ce que la personne qui est près de toi fait et souffre. Par conséquent, me recevoir et ne pas prendre part à ma vie est pour moi la plus amère des solitudes. Et, demeurant seule, je ne peux pas leur dire de quel amour je brûle pour elles. Mon amour reste alors isolé, ainsi que ma sainteté, ma vertu et ma vie. Ce n'est que solitude en dedans et en dehors de moi. Je ne peux pas leur dire. Et pourquoi? Pourquoi il ne peut pas nous dire? Parce que nous parlons, nous parlons, nous parlons. Et dans le meilleur des cas, je répète, dans le chant par exemple, ou encore moins il peut nous parler, et quand le prêtre recommence la messe, quand ça continue et ça y est, c'est fini, et quand la messe est terminée, après la bénédiction, vous savez, nous sortons et puis on parle avec les uns les autres, c'est fini, et Jésus, adios, merci. Jésus, sois content et d'être en moi. Profite de moi. Voilà, t'es là, t'es tranquille, t'es en moi. Non, mais c'est terrible, c'est terrible. Ce n'est pas une critique, je le répète encore. C'est une réalité. Si je critiquais, je serais... Je le ferais d'une autre manière, mais non, c'est une réalité de tous les jours. Continuons. Oh, combien de fois je descends dans les cœurs et je pleure parce que je m'y retrouve seule et je vois que l'on ne s'occupe pas de moi, que je ne suis ni appréciée ni aimée, si bien que je suis contraint, à cause de leur indifférence, d'être réduit au silence et à la tristesse. Et comme elles ne prennent pas part à ma vie sacramentelle, je me sens mise à part dans leur cœur. Et voyant que je n'ai rien à faire, avec une patience divine et inébranlable, j'attends la consommation des espèces divines dans lesquelles mon éternel fiat m'avait emprisonné, en laissant à peine quelques traces de ma descente. Je ne pouvais rien laisser de ma vie sacramentelle, à peine quelques larmes, parce que ces âmes ne participant pas à ma vie, il leur manquait le vide où j'aurais pu laisser les choses qui se rapportent à moi et que je voulais placer en commun avec elles. Il y a ainsi beaucoup d'âmes qui me reçoivent sacramentellement et qui n'ont rien à me donner qui m'appartienne. Elles sont stériles de vertu, d'amour, de sacrifice. Pauvres choses, elles se nourrissent de moi, mais comme elles ne me tiennent pas compagnie, elles continuent d'avoir faim. Oh, à quelle souffrance et à quel martyre ma vie sacramentelle se voit soumise. Je me sens souvent étouffée par l'amour. Je voudrais être libre et je soupire pour descendre dans ces cœurs. Mais, hélas, je suis obligée de les quitter. Plus suffocant qu'avant. Comment épancher mon amour si personne ne fait attention aux flammes qui me brûlent? D'autres fois, des flots de douleur m'inondent. Je soupire après un cœur qui me soulagera de mes souffrances. Mais enfin, ces âmes veulent que je participe à leurs souffrances, et je le fais. Je cache mes souffrances dans mes larmes pour les consoler, et je reste là, sans le soulagement que j'espère. Ça ne vous remue pas d'entendre ça? Oui, c'est très triste. Cette apparente attitude d'amour pour Jésus, cette apparente ferveur que nous avons, c'est rien. Nous ne lui donnons rien à Jésus,
que de la douleur, que de la souffrance, que de la solitude. Et c'est ça que nous donnons à Jésus quand nous allons communier avec toute cette série de choses dans la tête. Et quelque chose que j'ai oublié de dire, combien de temps et qu'est-ce que nous faisons pour nous préparer à le recevoir. On arrive du supermarché ou de la rue en courant parce que je vais arriver tard à la messe et je me mets rapidement à écouter la messe. Et qu'est-ce que j'ai fait pour me préparer? Rien. Et le moment de la communion arrive, je me lève, je me mets dans la file et je vais le recevoir comme si de rien n'était. C'est terrible. Quelle terrible solitude de Jésus en ce moment. J'ai une question. Ici, la lecture dit qu'il laisse seulement les traces de sa descente. Eh bien, les traces de ce qu'il est venu faire quand il est venu sur terre avec nous. Sa rédemption, son pardon, son amour, tout, mais ça, c'est de lui à nous. C'est ce qu'il dit là, Jésus, et ailleurs aussi. Je voudrais qu'elle prenne part à mes souffrances, à ma vie, mais non. Elles veulent que je prenne part à leurs souffrances, et je le fais. Je cache ce qui est à moi avec toute cette amertume que je vis pour participer à leurs souffrances et je les console et je les aide, etc. Donc, c'est ça, les traces de sa descente. Mais Jésus n'est pas venu pour nous consoler. Jésus est venu pour être vie en nous. Qu'est-ce que nous pourrions avoir de plus? Quelle consolation plus grande pourrions-nous avoir? Quel privilège plus grand que Jésus puisse se déverser en moi, s'épancher en moi et me fasse part et partager de ses souffrances et de ses douleurs si je suis attentif, voyez? Mais qui peut te dire toutes les souffrances de ma vie sacramentelle? Celles qui me reçoivent et me laissent dans une amère solitude sont plus nombreuses que celles qui me tiennent compagnie dans leur cœur. Et lorsque je trouve un cœur qui me tient compagnie, je lui communique ma vie et j'y laisse le dépôt de mes vertus, le fruit de mes sacrifices et la participation de ma vie. Et je fais de cette âme ma demeure, mon refuge, et le lieu secret de mes souffrances. Et je ressens l'échange du sacrifice de ma vie eucharistique parce que je trouve celle qui brise ma solitude, sèche mes pleurs, me donne la liberté d'épancher mon amour et mes peines. Voilà celles qui me servent d'espèces vivantes, non comme des espèces sacramentelles qui ne me donnent rien et ne font que me cacher lorsque je fais le reste moi-même. Elles ne me disent même pas un mot pour interrompre ma solitude. Elles sont des espèces muettes. En revanche, dans les âmes qui me servent d'espèces vivantes, nous développons ensemble notre vie. Nous n'avons qu'un seul cœur qui bat. Et si je sens que l'âme y est disposée, je lui communique mes souffrances et continue ma passion dans cette âme. Ça, c'est un point important. Le fait d'être resté dans l'hostie, dans le Saint-Sacrement, c'est beaucoup plus grand. C'est une souffrance beaucoup plus grande que tout ce qu'il a pu vivre dans sa vie sur terre. C'est une humiliation beaucoup plus grande que toutes les humiliations qu'il a pu recevoir durant sa vie terrestre. Et ça, il le dit très clairement dans les heures de la Passion, l'humiliation d'être resté dans cette hostie pour attendre la créature, parce que l'espèce est le moyen de communication pour nous, afin de libérer Jésus, justement, de cette espèce sacramentelle pour qu'il déploie sa vie en nous. Mais non, il est triste parce qu'il ne peut pas arriver à atteindre cette finalité. Et cependant, il continue là pour,
pour nous sauver. Voyez, on n'a même pas cette considération d'un Jésus souffrant, d'un Jésus emprisonné qui est là pour nous diviniser, pour nous racheter, pour nous libérer et aller vers cette union avec lui, non? Quelle médiocre connaissance nous avons et quel peu de valeur nous donnons au Saint-Sacrement. Et je crois, surtout, oui, quelle méconnaissance totale avons-nous de ce qu'est l'Eucharistie. Nous ne savons pas ce qu'est l'Eucharistie, enfin. Mais on va s'approcher très dévotement de Jésus avec beaucoup de recueillement et on va présenter la main comme pour demander l'aumône, pour que le prêtre nous donne l'hostie dans la main et puis nous la portons à la bouche et puis voilà. Je peux dire que des espèces sacramentelles, je passe aux espèces vivantes, afin de continuer ma vie sur la terre, non plus seule, mais avec cette âme. Tu dois savoir que souffrir n'est plus en mon pouvoir, et que par amour, je demande à ces âmes qui sont des espèces vivantes de me donner ce qui me manque. Par conséquent, ma fille, lorsque je trouve un cœur qui m'aime et me tient compagnie en me donnant la liberté de faire ce que je veux, j'en viens à des excès. Je ne fais plus attention à rien. Je donne tant que la pauvre créature se sent inondée de mon amour et de mes grâces. C'est pourquoi ma vie sacramentelle ne reste plus stérile quand je descends dans ces cœurs. Non, car je m'y reproduis. Je m'y dédouble et continue ma vie en elle. Et ces âmes sont mes conquérantes qui administrent leur vie à ce pauvre indigent et qui me disent « Mon amour, tu as eu ton tour pour souffrir et maintenant c'est le mien. Par conséquent, permets-moi de te remplacer et de souffrir à ta place. Alors, oh, comme je suis heureux !» Ma vie sacramentelle conserve sa place d'honneur parce qu'elle reproduit d'autres vies dans les créatures. C'est pourquoi je te veux toujours avec moi, afin que nous puissions vivre ensemble, que tu prennes à cœur ma vie et moi la tienne. Non me reproduce. Je m'y reproduis. Je m'y biloque et continue ma vie en elle. Et ces âmes sont mes conquérantes qui administrent leur vie à ce pauvre indigent et qui me disent, « Mon amour, tu as eu ton tour pour souffrir et maintenant c'est le mien. Par conséquent, permets-moi de te remplacer et de souffrir à ta place. » Qu'est-ce que ça veut dire, cette dernière idée? Laisse-moi te remplacer et souffrir à ta place. Vivre sa passion, être co-rédempteur, être co-rédempteur. Très bien, Alexandra. Tu as gagné un bon point. Oui, c'est immense ce que Jésus nous donne à travers l'Eucharistie. C'est immense et notre ingratitude est aussi immense, ce manque d'attention. Et c'est pour ça qu'au début, j'ai donné cet exemple, s'il la Trinité venait frapper à la porte de chez nous, on les assoit dans le salon et au lieu de les écouter, on va faire la cuisine, on va faire autre chose, ou bien on s'assoit avec eux que pour se plaindre et leur demander. Voyez, c'est terrible ce que nous faisons avec Jésus. On va continuer avec un autre texte, volume 31, chapitre 25. 22 janvier 1933. Je pensais au divin vouloir et une foule de pensées envahissait mon esprit et je me disais, je me demande pourquoi Jésus est si intéressé à ma volonté pour me donner la sienne en échange.
C'est moi qui en profite. En ayant une divine volonté en mon pouvoir, je possède et enferme toute chose en moi, et même Dieu lui-même. Mais la chose la plus étonnante, c'est qu'en échange pour tout cela, il veut ma volonté. À quoi peut lui servir cette faible et insignifiante volonté qui peut seulement produire plus de mal que de bien? Parfois, c'est quelque chose que les gens se demandent. C'est un échange ou c'est la mort de notre volonté, non? Il nous dit toujours que c'est un échange de vie, un échange de cœur. Alors pourquoi il veut ma volonté? On aura une réponse quand on aura un peu approfondi cette question. Je gagne, moi, oui, d'accord, mais lui, qu'est-ce qu'il gagne avec cet échange? On va continuer. Mon esprit était plongé dans ces bêtises lorsque je vis Jésus qui écoutait attentivement mes idioties. Il semblait heureux et il me dit, « Ma bienheureuse fille, je n'aurai jamais rien à donner à la créature si je devais considérer qu'elle peut me donner quelque chose. Parce que pour commencer, tout ce qu'une créature peut me donner lui a déjà été donné par moi. Aussi, en me donnant, elle ne peut rien me donner d'autre que ce qui est à moi. Par conséquent, mon amour me fait toujours agir sans tenir de compte. Tenir des comptes avec les créatures serait restreindre mon amour et perdre la liberté de donner librement ce que je veux aux créatures. Ce serait difficile. De plus, pour vous donner ma divine volonté, il est nécessaire que vous me donniez la vôtre, parce que deux volontés ne peuvent régner dans un cœur. Il serait en guerre, et votre volonté serait un obstacle à la mienne qui ne serait pas libre de faire ce qu'elle veut. Et moi, pour que ma volonté soit libre, j'insiste toujours pour que vous me donniez la vôtre. Mais ce n'est pas tout. Tu dois savoir que ta volonté est faible, insignifiante. Mais lorsqu'elle vient entre mes mains, créatrice et transformante, elle change d'aspect. Je la rends puissante. Je lui donne vie. Je mets en elle le mérite qui produit le bien et je l'utilise afin de ne pas la laisser oisive. Je deviens le céleste jardinier qui travaille dans le champ de ta volonté et j'en fais un magnifique champ de fleurs et le jardin de mes délices. Ici, nous avons le travail de la volonté humaine. D'accord? Et qu'est-ce que c'est, ce travail? Qu'est-ce qu'elle fait? D'abord, elle se met entre les mains de la divine volonté, entre les mains de Dieu, pour que Dieu puisse nous transformer et nous changer. Changer même d'aspect, il dit, je la rends puissante, je lui donne la vie, je mets en elle le mérite qui produit le bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tous les biens sont générés par la créature. La valeur du bien sort de la créature. Et Jésus dit qu'il se sert de cela pour travailler, pour ne pas être sans rien faire. Si cette volonté renferme la valeur que produit le bien, cela devient un champ avec une très bonne terre qui a tout ce qu'il faut pour donner une bonne récolte et produire de bons fruits, voyez. Et c'est dans ce champ de notre volonté que Jésus va pouvoir semer et faire un jardin où il va prendre ses délices. C'est ça le rôle de la volonté humaine. Donc oubliez et ne dites pas que la volonté humaine doit mourir et disparaître. Au contraire, elle doit être transformée pour agir avec la volonté divine. C'est un travail ensemble, de sorte que ce qui est insignifiant entre tes mains et peut-être même nuisible change de nature dans mes mains et me devient utile en me donnant le plaisir d'en faire un petit lot de terre à ma disposition et que je peux fleurir. Ainsi, afin de pouvoir donner, je veux ce qui est petit et insignifiant, même comme prétexte pour pouvoir donner ce qui est grand et pouvoir dire, cette âme m'a donné et je lui ai donné en échange. Il est vrai qu'elle m'a peu donné, mais c'est tout ce qu'elle avait et abandonné pour moi ce peu qu'elle a
C'est le plus grand des cadeaux, et je confie alors toute chose à l'exubérance de mon amour en faisant don à la créature de tout ce qui lui manque. Louisa dit, je pensais aux nombreuses vérités que mon adorable Jésus m'a manifestées sur la divine volonté et, oh combien de surprises, de joie et d'émotion inondent mon esprit concernant ces vérités. Elles semblaient descendre du ciel, toutes ordonnées pour remplir la terre. Leur intense activité était de former un chemin en elles-mêmes afin de nous faire retourner dans ces vérités et entourer ensuite la créature afin qu'elle n'en sorte pas. Et mon céleste Jésus, visitant ma pauvre âme, me dit, « Ma petite fille de mon vouloir, tu dois savoir que chaque vérité que j'ai manifestée sur ma divine volonté n'était qu'une autre façon de m'approcher de la créature. Lorsque notre être suprême parlait, il faisait un pas de plus vers les créatures, plaçait une divine particule de plus à leur disposition et traçait de nouveaux liens d'union et d'amour. Notre parole est toujours une naissance qui sort de nous. C'est notre verbe qui descend du ciel à la recherche de notre créature, après qui nous soupirons. Notre parole est toujours une naissance qui sort de nous. C'est notre verbe qui descend du ciel à la recherche de notre créature. Qu'est-ce que c'est la parole de Dieu ? C'est le Verbe éternel, le Verbe éternel incarné. Et il extériorise, il sort cette parole pour aller à notre rencontre. On commence à comprendre un petit peu maintenant le rôle, la personnalité du Verbe éternel. Le Verbe éternel, c'est Jésus, et Jésus, c'est la parole de Dieu. Continuons un peu. Notre parole est toujours une naissance qui sort de nous. C'est notre Verbe qui descend du ciel, à la recherche de notre créature, après qui nous soupirons. Et notre Trinité sacro-sainte, attirée par la puissance du Verbe qui est inséparable de nous, fait son chemin. Et, pas à pas, nous nous rapprochons de celle à qui notre parole est parvenue. Tu dois savoir que lorsque nous décidons de manifester une vérité par notre Verbe, comme c'est une partie de nous qui sort de nous, notre être suprême prend un aspect inhabituel. Une joie nouvelle nous investit et il sort de nous une communication de nouvelles béatitudes. Le ciel tout entier, en voyant notre aspect inhabituel, se rend déjà compte que nous sommes sur le point de sortir une nouvelle parole de vérité, parce que les premières à célébrer ces paroles sont les trois personnes divines et ensuite le ciel tout entier avec nous. Qu'est-ce que cela veut dire? Que chaque fois que Dieu extériorise, sort une vérité, cette vérité reçue par la créature, achevée, complétée, mise en pratique par la créature, c'est la joie de Dieu, c'est leur bonheur. Les premiers, dit-il, à fêter ces vérités que nous sortons de nous, ce sont les trois personnes divines et ensuite tout le ciel. Vous allez me dire, pourquoi il sort ces vérités? Pour qu'elles soient prises ces vérités et vécues par la créature. C'est là que nous comprenons que ce que nous donnons à Dieu, de joie, de bonheur,
Et nous ne donnons pas seulement au ciel, mais nous donnons à la très sainte Trinité. Continuons. Ces vérités sont les dons du grand roi, qui sait comment faire mouvoir et investir toutes choses. C'est notre parole qui a une vertu créatrice, vivifiante et transformante, et qui certaines fois saisit, écrase et fait tout voler en éclats. Et sur les ruines, elle fait se lever la vie de notre parole et forme les plus belles choses, une création nouvelle. Ces œuvres magnifiques étonnent le ciel et la terre. Qu'est-ce que peut faire notre fiat? Il peut tout faire. Et qu'est-ce que fera la chaîne d'un si grand nombre de nos fiats? Notre fiat transformé en parole de vérité possède une invincible vertu, une puissance inexprimable, une fermeté immuable dans le bien qu'il veut former dans la puissance de mon fiat qui parle. Je ne sais pas quels sont les effets de ces vérités sur nous, en nous. Qu'est-ce que cela produit en nous, en vous? Des émotions et quelque chose qu'on sent très très élevé pour atteindre, il faut persévérer, des merveilles, oui, quelque chose très élevé, des vérités qui sont inaccessibles pour l'être humain, mais ce n'est pas l'être humain qui va atteindre ces choses, c'est lui qui va venir en nous. La seule chose que nous avons à faire, c'est de lui permettre de venir. En fait, la réponse est très simple. Oui, oui, je veux, c'est ça. Et en disant « oui, je veux », Dieu se chargera du reste. Mais c'est un « si je veux » qui doit être continuel, indépendamment des circonstances, des difficultés, des joies. Il doit être au-delà de tout. Au-delà de tout, il doit y avoir ce « oui, je veux » et c'est ça le renoncement à tout ce que Jésus veut que nous renoncions pour pouvoir atteindre, pour seulement soupirer et désirer sa volonté et son amour. Aimer la divine volonté, aimer son amour. Et tout le secret est là. Pour arriver à cette hauteur, à ces choses, à ces vérités qui nous sont communiquées, tout le secret est là. Comment voudrions-nous que ces choses pénètrent en nous, dans les cœurs, pas seulement dans les esprits, dans l'âme profonde, pour pouvoir mettre la créature en marche et afin qu'elle comprenne et qu'elle désire ce bien immense que Dieu nous donne. Voyez, et cela donnerait une consolation et un soulagement à Jésus, mais immense, un soulagement qu'il attend, qu'il désire, mais qu'il ne peut pas recevoir à cause de notre aveuglement et de notre dureté. Voilà, vous voulez vous sauver? Vous voulez arriver au ciel? Mais je pense que les catholiques, au moins, disent que oui. Les croyants en Christ disent que oui. Mais qu'est-ce que vous faites pour arriver au ciel? C'est ça la question. Qu'est-ce que vous pensez du ciel? Qu'est-ce que c'est le ciel pour vous? Le ciel, c'est la vie. C'est le vécu de la vie divine, c'est vivre ce que Dieu vit, ce qu'il vit, et c'est cela que Dieu nous offre maintenant. Mais est-ce que nous voulons en fait? Non, non, non. Nous disons non, non. Laisse-moi jouir de mon petit ciel humain, voilà. C'est-à-dire de tout ce que j'ai, de tout ce que je peux faire, et après, je verrai. Je verrai au moment du passage, je verrai comment me débrouiller. C'est très triste. C'est très triste. La vie du ciel, nous l'avons depuis la terre
et nous ne la voulons pas, nous ne voulons pas la prendre. Et on se demande, on se pose la question, on doute, est-ce que Dieu veut nous donner ça? Oui, bien sûr, il nous le dit ici, c'est la première chose qu'il nous dit, c'est ça qui l'intéresse. Dieu veut nous donner ça, et nous, on est plein de réticences, on a des prétextes, on a toujours des prétextes, nous. Nous sommes les chercheurs continuels du prétexte pour faire, enfin, ce qui nous convient. Je veux continuer avec ma vie humaine, je veux continuer avec mes goûts, avec mes désirs, avec mes projets, avec mes vices, avec mes passions, avec mes péchés aussi, parce que, dans le fond, je suis complètement dans l'erreur. On est complètement aveuglé et trompé parce que je pense que mes péchés, c'est mon bonheur, vous comprenez? Mon péché de, je ne sais pas comme vous voulez l'appeler, c'est mon péché de drogue, c'est ma joie, mon péché de, d'être libre pour faire ce que j'ai envie de faire. Enfin, le péché de tuer une vie, toutes ces choses, c'est notre vie. Le péché de provoquer la mort de millions et de millions d'êtres humains en vendant des choses qui mettent fin et qui détruisent la santé de l'être humain. On continue chacun avec notre propre vie. Il y a des questions? Tu dois savoir que notre être suprême possède par nature la puissance créatrice, la vertu rédemptrice et la vie qui revivifie et sanctifie toutes choses. Or, dans la création, nous avons agi seuls, sans la créature. Mais, après l'avoir créée, notre amour pour elle était si grand que nous voulions continuer à développer la créature avec la nature. Et si nous conservons la création, c'est comme si nous étions toujours dans l'acte de créer. Cette force créatrice unifie et investit les âmes et continue la création à l'intérieur de chacune d'elles. C'est ce que nous disions. L'œuvre de la création s'est arrêtée quand l'homme est sorti de la divine volonté, quand Adam a désobéi. Et donc, l'œuvre de la création s'arrête, est stoppée, et Dieu attend de pouvoir recommencer cette œuvre pour pouvoir libérer, déployer toutes ces merveilles dont il nous parle et nous montrer ce qu'il est, déployer cette connaissance. Je me rappelle un passage de Saint Jean dans sa première lettre où il dit que quand Dieu se montrera tel qu'il est, quand il se montrera, nous serons qui il est. Qu'est-ce que nous verrons? Nous verrons tous les biens qu'il contient. Nous verrons la vie divine dans la créature, et c'est là où je verrai ce que je possède. Tout ce que l'humanité de Jésus possède dans son intérieur, c'est ce que nous devrions avoir nous aussi. Mais quelle distance y a-t-il encore entre Jésus et nous? Hein? Immense, très grande, oui. C'est ça. La clé, le point essentiel que nous devons comprendre, nous avons besoin d'avoir ce qu'il a. Et qu'est-ce que nous créons? Des cieux nouveaux d'amour, des soleils nouveaux de connaissances,
des mers nouvelles de grâce, un air nouveau de sainteté, des vents frais nouveaux qui embaument la créature, une vie nouvelle toujours croissante dans notre divine volonté, de magnifiques fleurs nouvelles, des désirs saints, bref, l'écho de toutes choses dans la création. Notre vertu créatrice se répercute dans les âmes et avec une sagesse et une bonté qui n'appartient qu'à nous, nous créons toujours sans jamais nous arrêter. La création donc continue dans l'âme qui vit dans la divine volonté. Et oui, des cieux nouveaux d'amour, des nouveaux soleils de connaissance, c'est très intéressant parce que dans le ciel, nous continuerons à connaître Dieu. Chaque âme qui arrive, qui a vécu dans la divine volonté et qui arrive au ciel, amènera avec elle toutes ses créations nouvelles. Elle aura en elle, elle possédera tout ce que Dieu a voulu sortir de lui, quelque chose que nous ne connaissions pas et qu'au ciel nous connaîtrons. Et nous pourrons jouir de ces choses qui ont été manifestées, pas comme propriété, bien sûr, mais comme une gloire accidentelle. Donc, je crois que vraiment, ça vaut la peine de participer, comment pourrions-nous dire, dans le fait de pouvoir donner ses joies, ses bonheurs à tout le ciel, voyez, et même jusqu'à la Sainte Trinité. Dieu va nous rendre heureux, bien sûr, mais ces âmes qui amèneront ces nouvelles créations en elles rendront Dieu heureux éternellement, voyez. Mais quel bonheur pour l'âme de pouvoir dire « Je rends heureux mon Créateur ». C'est quelque chose auquel nous n'avions jamais pensé, rendre Dieu heureux. Nous pensons toujours que Dieu doit nous rendre heureux et nous ne pensons pas que nous pouvons le rendre heureux parce qu'on pense qu'il a tout. Il est la félicité, il est la joie, il est lui-même le bonheur éternel. Oui, c'est ça, nous pensons que Dieu n'a besoin de rien. En fait, la réponse est oui et non. Pourquoi oui? Parce qu'il a besoin de la créature qui vit dans sa volonté pour pouvoir recevoir tout ce qu'il veut donner, mais à partir de la créature. Il veut pouvoir continuer avec toutes ses créations à partir de la créature. D'une manière générale, tout sort de lui, nous sommes d'accord, il n'a besoin de rien, mais il ne peut pas le faire seul. C'est ça qui est intéressant pour faire une vie, pour multiplier sa vie. Il a besoin d'une créature. Ce n'est pas une bilocation de Dieu, c'est mettre tout ce qu'il a, tout ce qu'il possède dans une créature, mettre tout cela en dehors de lui pour pouvoir répéter sa vie dans cette créature. Qu'est-ce qu'on va faire? Continuer? Allez. Volume 31, 24 février 1931. Ma bonne fille, ne t'afflige pas à cause de cela. Tu dois savoir que pour connaître une vérité, il faut l'aimer. Attends. Ça, c'est une chose très nécessaire. Beaucoup de gens se demandent et se plaignent qu'ils n'aiment pas Dieu, qu'ils ne comprennent pas les choses de Dieu. C'est la même chose. Pour comprendre une vérité, il faut l'aimer. Si je ne l'aime pas, je ne vais pas la comprendre et encore moins la posséder. Parce qu'on ne peut posséder que ce que l'on aime et on ne peut aimer que ce que l'on possède. Donc l'amour est fondamental pour nous et nous devons nous focaliser sur cette recherche de l'amour et cet amour s'obtient par la connaissance.
Donc nous allons peu à peu connaître et dans la mesure où nous irons en découvrant des choses nouvelles, ces connaissances, nous allons l'aimer. Et comment alors connaître ? En lisant l'Évangile, en lisant Luisa Picaretta, en lisant aussi Maria Valtorta, en lisant, voilà. Et tout cela va compléter en nous cette connaissance de Jésus, et à travers cette connaissance de Jésus, nous allons comprendre et aimer toujours davantage jusqu'à posséder ce que ces vérités contiennent. Continuons. Ma bonne fille, ne t'afflige pas à cause de cela. Tu dois savoir que pour connaître une vérité, il faut l'aimer. C'est l'amour qui donne de l'appétit. L'appétit donne la saveur, et la saveur aiguise la faim pour manger tout son soûl et bien mâcher la substance de la nourriture que sont précisément mes vérités. La mastication facilite la digestion, de sorte que la possession du grand bien que l'on possède est ressentie, et elle produit ma vérité. Ainsi, les doutes et les difficultés qui surviennent fondent comme neige sous les rayons d'un soleil brûlant. Mais si ces vérités ont à peine fleuri et n'ont pas été consommées par une profonde étude et avec un amour qui génère l'appétit, pourquoi s'étonner qu'il se lève des doutes et des difficultés? Oh, au lieu de juger ces vérités, il aurait été préférable de dire « Cette nourriture n'est pas pour nous, nous n'avons pas la volonté de la manger. » Ça, c'est encore quelque chose qui est fondamental. Si je ne comprends pas, pourquoi juger? Pourquoi avoir un jugement sur les choses? Si je ne comprends pas parfaitement ce que je lis, ou si cela crée en moi de la confusion ou des doutes, etc., au lieu de critiquer et de porter un jugement sur ce que je n'ai pas compris, il vaut mieux dire « ce n'est pas pour moi ». Ce serait beaucoup plus sain de dire ça, mais comme nous aimons, comment dirais-je, on aime la critique. On aime critiquer, on aime juger, on aime bien dire « non, moi je dis que c'est pas bon ». Hein? Et le pire, c'est qu'on va mettre des obstacles pour que les autres ne comprennent pas non plus. Oui, et puis des doutes parce qu'un tel a dit ça ou une telle a dit ça. Hein? Mais il est bien connu que mes vérités trouvent place dans les cœurs simples plutôt que chez les savants. Cela s'est passé dans ma rédemption. À ma grande tristesse, aucun des sages et des intelligents ne m'a suivi, mais les pauvres, les ignorants et les cœurs simples sont venus. Ma fille, lorsque je suis venue sur la terre, si j'avais tenu compte de ce qui se disait sur moi et des contradictions aux vérités que je manifestais, je n'aurais ni formé ma rédemption, ni manifesté mon évangile. Et pourtant, ceux qui étudiaient les Écritures et enseignaient la religion au peuple étaient de la classe noble et parmi les plus savants. Je les ai laissés parler et avec amour et une invincible patience, j'ai supporté leurs continuelles contradictions et les souffrances qu'ils me causaient. Et cela m'a servi de bois pour me brûler et me consumer sur la croix par amour pour eux et pour tous. Qu'est-ce que tout cela veut nous enseigner? Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent avoir toutes les opinions qu'ils veulent. Cela n'a aucun sens. Et cela n'a aucun sens de se mettre contre eux ou ceci ou cela. Souvent, il y a besoin de mettre en lumière certaines choses parce que quelqu'un est peut-être inquiet. Il a entendu ceci ou cela. Mais commencer une discussion avec ceux qui produisent ces doutes et qui mettent sur la table des interprétations tout un tas de choses, c'est du blabla. Il faut les laisser circuler, ces choses-là, dit Jésus. Il ne faut pas s'inquiéter. Ne pas donner de l'importance à toutes ces choses, toutes ces paroles,
Parce que là, qu'est-ce qui se passe? Nous mettons en action notre volonté humaine. Et voilà. Quand vous trouvez quelque chose qui vous fait perdre la paix et la tranquillité, laissez, ne faites pas attention. Jésus dit aussi que quand quelqu'un s'oppose à ce que je dis, ne t'inquiète pas. Ne rejette pas mes propos parce que tu ne sais pas ce que je suis en train de faire. Peut-être que la personne va se convertir. Continuons. Aujourd'hui encore, si je voulais faire attention à ce qui s'est dit sur les vérités de ma divine volonté, j'aurais voulu mettre fin aux manifestations et aux desseins que je veux accomplir en les manifestant. Mais non, nous ne souffrons pas de mutabilité. Les œuvres divines sont immuables. Les œuvres de l'homme ont cette faiblesse. Ces actes dépendent de l'appréciation des autres, pas les nôtres. Lorsque nous décidons, rien ne peut nous mouvoir, ni les créatures toutes ensemble, ni même l'enfer tout entier. Mais nous attendons avec un amour inépuisable les temps, les circonstances, et les personnes que nous utiliserons pour ce que nous avons établi. Par conséquent, ne t'inquiète pas et adopte nos manières divines. Si nécessaire, offre le sacrifice de ta vie pour obtenir que ma divine volonté soit connue et règne dans le monde entier. Je crois qu'avec ces lectures, nous terminons. Continuons avec le même état d'esprit, des lectures très intéressantes qui nous conduisent peu à peu jusqu'à cette pleine compréhension de ce qu'est la divine volonté et de ce que signifie vivre dans la divine volonté. Espérons que cela nous incite à vouloir la connaître et aimer toutes ses connaissances et toutes ses œuvres de ce travail de la divinité en nous.